l'abus de l'enfant déprimé, la maléducation déprimé, tous les jours pas à manger déprimé, dans la rue les enfants dorment déprimé, c'est comme un maman oui déprimé, c'est le côté en bas oui déprimé, bien oui c'est le côté en bas oui déprimé, tous les jours pas à manger déprimé. Pain, pain, pain all over the place. Survival of the fetus, that is just a race. Abuse an African child, you keep your heart bleeding. And you think about the life that I'm still living. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétard. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. C'est une petite vidéo aujourd'hui pour parler des débordos Likoufa. En fait, débordos Likoufa, ici, son grand retour. Oui, ici, son grand retour. Voilà. J'ai aussi à parler à la team Gladia. Oui, la team Gladia Dibawan, qui a commencé à dormir un peu. Je pense pour ma part, hein, qui a commencé à dormir un peu. J'espère aussi que vous allez tous donner de la force à la reine Yoz en featuring avec Doliziana des Bordeaux. En plus de savoir chanter, en plus d'avoir du talent, en plus d'être expérimentée à la chanson, elle le fait pour une cause humanitaire, elle le fait pour une cause caritative. Donc je pense qu'elle mérite soutien. Quand vous écoutez le morceau, ça ne vous plaît pas? Quand vous écoutez le morceau, là, pour ceux qui sont allés écouter, ça ne vous plaît pas? Je vous invite, vous, mes abonnés, en qui j'ai pleinement confiance, d'aller voir, d'aller écouter ce morceau-là. Vous ne manifestez pas. Vous voulez discréditer votre héritage, c'est ça? Je ne pense pas. Le lien du son est dans la description. Bientôt le clip. Le clip sera tourné ici en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Dabou. Voilà, la pouponnière de Dabou. Donc, j'invite toute la population de Dabou de se tenir prêt, parce qu'il y aura un grand événement dans lequel il y aura le tournage d'un clip, le clip de la reine Yoz. Le site web de son ONG est dans la description. Le lien de son morceau est dans la description. Le lien de la page de son ONG est dans la description. Allez voir ce qu'elle fait et vous verrez si elle ne mérite pas soutien. Allez lui donner de la force. Allez partager le lien de son son. Parce que bientôt le clip sortira. Et je compte sur vous pour vraiment booster le clip. L'audio, on va dire, bon, peut-être qu'il n'est pas attractif. Il n'y a rien à regarder, mais je pense qu'il y a beaucoup à écouter. Voilà, elle parle des enfants démunis, des enfants délaissés. Bref, regardons encore cette miniature qui fatigue beaucoup d'hommes. L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran du maître Ahmed Balaghi. Merci chers abonnés. Comme je l'ai dit, bien qu'on parlera de Bordeaux, et mon message aussi au Gladia. Comme moi, Héritor, je viens vous suggérer quelque chose, surtout de très sérieux, comme un livre. Je pense que vous devez porter une attention particulière. Vous devez être très attentif, parce que je ne vais pas vous conseiller n'importe quoi. Je vous parle d'un livre qui aborde plusieurs aspects de notre vie, tels que l'âme, l'esprit. Bref, vraiment beaucoup de sujets. Vraiment, vraiment beaucoup de sujets. Je vous invite juste à l'avoir. Rendez-vous dans toutes les librairies et demandez le livre qui s'intitule L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran de l'écrivain et maître spirituel Ahmed Balaghi. Maintenant, ce qui vous intéresse. Maintenant, ce qui vous intéresse. On a vu une vidéo de l'artiste des Bordeaux à bord d'une Audi, fredonnant une chanson et ayant titré cette vidéo-là comme le grand retour. Bon, moi j'aimerais dire à des Bordeaux que franchement, je reconnais qu'on t'attend. Mais à vouloir trop t'attendre, on commence à s'ennuyer. Parce que je crois il y a plusieurs mois de cela, tu faisais un post dans lequel tu disais « J'arrive, on t'attend des Bordeaux. Faut venir maintenant. » Voilà. La Légion a besoin de toi. Tes fans ont besoin de toi. Et toi que je suis, j'ai besoin de toi. On a besoin d'entendre ta musique. Je pense qu'il est temps de prendre les choses en main.
On ne te demande pas, comme certains qui interprètent très mal nos vidéos, de, comment je vais dire ça, d'aller sacrifier ton âme ou bien d'aller faire certaines choses pour avoir le succès. Le succès, tu l'as déjà eu. Et tu l'as encore, c'est pourquoi quand tu te permets de faire des concerts et des showcases, c'est toujours bondé de monde. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est de nous faire danser. C'est de mettre la joie dans notre cœur. Maintenant, si tu as envie de faire comme Claire Bailly, chanter pour Dieu, ça va pas nous gêner. Tout comme fait, nous ne sommes pas tous païens. Il y en a de catholiques, il y en a de protestants, il y en a de musulmans, il y en a d'évangéliques. Bref, il y en a des chrétiens, il y en a des musulmans. Donc, ça va toujours nous faire plaisir. Mais arrête de nous brancher. Parce que ce que tu fais ces derniers temps-là, on appelle ça brancher mes fans. Parce que tu sais effectivement qu'on t'attend. Et comme tu sais qu'on t'attend, je pense qu'il est temps de sortir. Pendant que tu dis que tu arrives, tu es encore en France. Ou bien tu as décidé d'enregistrer en France, puisque tu ne travailles plus avec l'arrangeur Baby Philippe. Bref, donc, chers fans de Bordeaux, je pense que cette fois c'est la bonne, parce que c'est son premier poste nous disant en 2021 qu'il arrive, qu'il signe son grand retour. Donc, croisons les doigts, parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a de gros projets. Voilà, sachez que tout ce long moment d'absence-là ne sera pas vain, il n'a pas été vain. Voilà, l'artiste a profité pour travailler. Vous avez ma parole, même si je suis impatient comme vous, moi j'ai pleinement, j'ai dit vraiment pleinement confiance à l'artiste de Bordeaux Likoufa qui va nous apporter très bientôt du lot. J'ai dit bien très bientôt du lot. Pour ceux qui ont écouté son featuring avec Irity Watanabe, peut s'entendre à l'incroyable, à quelque chose de fabuleux. À quelque chose de très très dangereux, comme on le dit. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de l'artiste de Bordeaux Likoufa, je pense qu'il faut aller rapidement l'envoyer à 400 000 abonnés. Voilà, il le mérite. Voilà, pour son calibre d'artiste, il le mérite amplement. Donc, allez vous abonner et attendez les nouvelles sorties de l'artiste de Bordeaux Likoufa. I'm back. De Bordeaux Likoufa arrive. Soyez sereins. Maintenant, rapidement au Gladia. Cher Gladia, comme je le disais, je ne vous sens pas ces derniers temps. Est-ce parce que l'artiste a trop tourné, vous l'avez trop soutenu dans ses concerts, que vous n'achetez plus ses albums? Je ne comprends pas, parce que c'est quand même double album disponible. Hein. C'est un gros et double album qui est disponible. Depuis, je crois, près de 3 mois maintenant. C'est vrai que vous achetez, je ne peux pas discuter, mais je veux que vous achetez plus que ça. Je veux que quand l'artiste nous fait le point de ses ventes, la concurrence ait peur. C'est ça mon objectif en fait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lent, c'est un peu timide. Même le dernier clip de Latis, j'ai dit bien le dernier clip de Latis, beaucoup peine à le partager. Beaucoup peine à le partager sur Facebook, sur WhatsApp. Quand on aime un artiste, il faut continuer à le soutenir, que ce soit dans les stades ou hors des stades. Voilà. Parce que ton artiste doit être toujours le meilleur. Ton artiste doit être toujours au sommet. Donc, cher Gladia, ce message-là est pour vous. Réveillez-vous. Voilà, réveillez-vous. Moi, je sais quel genre de fan vous êtes. Vous êtes vraiment prêt pour l'artiste. Vous aimez énormément l'artiste. Donc, sortez. Sortez massivement pour aller acheter l'album de l'artiste. Sortez massivement pour streamer aussi. Voilà, parce que l'album, il n'y a pas que de physique, il y a aussi le digital. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation magistrale pour vraiment booster les ventes de l'album. Mon Empire World Tour continue. Et bientôt des nouvelles dates pour l'année 2021. Le Gabon nous réclame. Boaké nous réclame. Le Burkina nous réclame. En tout cas, fan d'Ibawan, restez scotché. Parce que l'artiste vous réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Moi, je ne crains pas parce que je sais que l'artiste est très inspiré. Vraiment, vraiment beaucoup inspiré. Donc, je reste serein. Voilà. Je sais où j'ai mis mes pieds et je n'aurai pas honte. Merci de soutenir la Reine Yose, s'il vous plaît. C'est une cause humanitaire. Allez vous abonner à la page Facebook de son ONG. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Partagez le lien de son audio. Et pour votre, on va dire, développement personnel, pour votre propre bien-être, il faut vous procurer le livre L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran de Maître Ahmed Balaki. Partagez la vidéo et on est ensemble.